sourire, malgré les obstacles de la vie. C'est super. Bonjour les gars, bonjour Landry et Landry. Bonjour. C'est, c'est Landry Padonou. Ouais. Landry Maïdani. Landry Maïdani. Ouais. Alors, comment vous vous êtes rencontrés pour avoir le même prénom comme ça? Bon, ce fut... nous-mêmes, on n'a pas imaginé à cela. Bon, il avait l'habitude de répéter à l'Institut français. Mmh. Et je suis invité là pour travailler avec un comédien. Mmh. Et de loin, je l'entendais jouer. Bon, c'était mélancolique, tout ça. Je me dis, ben, qu'est-ce qui est en train de jouer comme ça? C'est John Acadus qui répétait ou il y a un autre artiste qui est dans les parades? Donc, je me suis rapproché de lui. Sa musique m'a vraiment appelé, quoi. Et donc, je lui ai dit, bon, bonjour monsieur, je suis Landry aussi. Je fais de la clarinette, je fais de la flûte. Et ce que vous êtes en train de jouer, si ça ne vous dérange pas, je peux vous accompagner. Ouais. Et d'abord, je me présente, on m'appelle Landry Padonou. Il dit non, c'est pas vrai. On m'appelle aussi Landry. Non, mais il a dit non, c'est pas vrai. Mais, ou bien tu as entendu parler en de fait, moi. Tu moi c'est, bon. C'est comme si il a dit c'est comme si c'est de la moquerie pour, selon lui. Quoi. Donc je lui ai dit non, je m'appelle Landry. Mais il n'a pas cru tout de suite. Et je suis obligé de faire ça. Il n'y avait pas la carte d'identité. Oui, je l'ai fait sortir la carte d'identité. C'est comme ça vraiment qu'il a su vraiment que je. Je m'appelais Landry comme lui et tout de suite, on ne s'est pas mis ensemble. Mmh. Et c'est après 3 mois qu'il y a un slammer, dont je tais le nom,
qui voulait comment dirais-je l'instrumentiste. Ouais, c'est il voulait l'accompagnement. Ouais, il voulait qu'on accompagne sur un concert au jardin de Canenia à Fidjossé. Et Landry a l'habitude de travailler avec lui. Je suis son guitariste. Okay. Voilà. Et donc, moi, il m'a découvert très. Il m'a découvert avant Landry. Et donc, je lui ai dit qu'il vienne chez moi pour la répétition. C'est comme ça qu'il est venu. Et je vois encore Landry, je me suis dit, mais toi, tu es encore ici, tu me poursuis. Quoi. Et donc, c'est après des mois, on s'est vraiment réellement super, mis ensemble. Ah, c'est une belle aventure que vous avez commencé comme ça. Et en 2015, vous avez sorti un album. Oui, un album de 12 titres. Oui. L'album Aflimi. Aflimi, oui. Le titre Aflimi. L'album est sorti en 2018. Wow. Oui. Le 30 novembre 2018. 30, voilà. Alors, et ça parle de quoi, votre album? Aflimi, c'est tout d'abord le titre de l'album, c'est Aflimi. Mm. Aflimi qui implore les parents à prier pour leurs enfants. Mm. Voilà, parce que le tout ne suffit pas d'investir dans la vie d'un être humain, de ses enfants. Mm. C'est la prière, accompagner par la prière. Mm. Voilà. Voilà, parce que ce qui se passe dans l'ombre, c'est trop, c'est beaucoup. Mm. Donc il faut accompagner. Et les enfants avec la prière. Même si on investit tout ce qu'on a comme moyen pour les enfants, il faut également les accompagner par la prière. C'est pour dire que vous faites du gospel aussi, c'est ça? Ou parfois on dit que votre musique est mélancolique. Oui. Pourquoi ce style? Bon, pourquoi ce style? C'est pas un choix, c'est naturel. Mm. C'est naturel parce que d'autres nous proposent de faire du gospel. Mm. Et nous, voilà qu'on ne force pas l'inspiration. C'est ça. Ça vient naturellement. Donc voilà. Mm. Et on chante que la vie, on chante les faits de société. On chante aussi l'amour. L'amour. Mais il y a aussi quelques-unes de nos compositions qui chantent aussi Dieu. Très bien. Parce que Dieu avant tout, c'est notre source d'inspiration. C'est ça. Ouais. Vous vivez ensemble? Vous vivez ensemble? Non. Alors comment se fait les compositions? Comment vous faites? Bon, les compositions quand? Parce que moi... C'est vrai, quand deux personnes se trouvent quelque part, il y a toujours les deux jours un rôle. Mm. Chacun joue son rôle. Donc là, moi, je suis le compositeur du duo. C'est ça. Et quand l'inspiration vient, je fais appel à mon alter ego. Mm. Et vraiment, l'autre Landry. L'autre Landry. Et voilà, le travail, on se met ensemble pour la création. D'accord, créer quelque chose pour nous, on va voir ce que ça va donner. Kaka,
Oh, c'est magnifique, hein. Vous m'emballez là, vous m'emballez. Franchement, c'est magnifique, c'est beau, c'est bien beau. Alors, premier album sorti en 2018, la promotion, ça a marché, ça a pris? Ou vous n'avez pas travaillé autour de ça? Plus ou moins, parce que bon, déjà, nous sommes dans l'autoproduction. Mm. Donc, qui dit l'autoproduction dit vraiment tout, hein, vous savez de quoi je parle. Oui. Voilà, donc on va pas dire que la promotion n'a pas marché, parce que jusque-là, on continue toujours de vendre notre album, toujours à 2000 francs, et on n'a jamais cessé d'en vendre. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai, nous n'avons pas sillonné les maisons de production pour s'en occuper, puisque. Et comment dirais-je, l'artiste, c'est toute une société. C'est ça. Voilà. Donc, une industrie. Ouais, une industrie. Voilà. Tout, ouais. Donc, nous avons pas encore un manager, nous n'avons pas encore un producteur, nous n'avons pas encore un communicateur. Donc, il faut tout ça là pour vraiment dire que bon, l'album a vraiment marché. Voilà. Vous avez du talent, ça, je le dis, hein, vous avez du talent. Merci beaucoup. Bon. Des projets. Et déjà, nous sommes en train de vouloir lancer un single pour annoncer notre retour après cette crise sanitaire. Très bien. Parce qu'il y a depuis 2 ans, les gens attendent que notre retour, les gens attendent des concerts. Bon, on s'est dit, bon, puisqu'on a assez de compositions, pourquoi ne pas créer quelque chose et lancer sur le marché. Surtout que vous faites du live. Voilà. Alors, je vais vous laisser partir et on va voir le clip à Flémy tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous mettre dedans? Bien sûr. Allons-y. Bien sûr. Et ensemble, je vous dirai merci et à la prochaine. Non, on va dédier un morceau à Christian. Ici, il a un travail. Exact. Merci beaucoup.
Merci, merci par ma voix. Les travailleurs béninois vous disent un grand merci. On va dire également merci, merci à Eusèbe Dossou, le big manager. Ouais, ouais. Voilà, pour tout ce qu'il fait. Fofo de près, vraiment de près. Très bien. Un grand Fofo. On le fait coucou depuis. Exact. Depuis ici. Super. Merci Landry et Landry. Très bonne journée. Voici un Flémy juste après. On va retrouver l'enfant Claudio dans les caricatures de la semaine. Feeling